Wow. Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyonsa. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est difficile à prononcer? Nyonsa Reborn. Ok. Yeah. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là sur abonner pour activer la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une autre vidéo extraordinaire. Nous allons vous raconter quelque chose de vraiment étonnant qui s'est quand même produit. Il faut que nous vous disions des choses comme monsieur toi, afin que vous puissiez vraiment prendre de bonnes décisions qui vont changer votre vie et même votre relation avec vous ou encore votre entourage. De quoi s'agit-il aujourd'hui? De quoi s'agit-il, mes frères et sœurs? Il s'agit aujourd'hui, mes frères et sœurs, d'une femme chef d'entreprise, une femme qui travaille, qui pense que tout le monde est assujetti à elle. Ça veut dire quoi? C'est une femme qui met en avant son travail, qui est capable de renvoyer qui elle veut, au point où elle va elle-même tout simplement virer son mari de son foyer parce que ce dernier, soi-disant guillemets, l'a trompé. Il a trompé, c'est normal. Quelqu'un va dire il a trompé, c'est normal. Pourquoi? Monsieur veut qu'elle le virer. Eh, mes frères et sœurs, ne réagissez pas comme ça. Même si vous êtes un peu avec de l'argent puisque votre mari. Une fois que vous êtes marié, c'est lui, le patron. C'est comme ça. Bon, racontez cette histoire, n'allons pas trop vite. Bien, voici l'histoire. Cette femme travaille dans une entreprise pétrolière. Vous imaginez déjà quelle position elle occupe dans cette entreprise. Elle a beaucoup d'argent. En même temps, elle a beaucoup de responsabilités. Elle a des gens qui travaillent sous ses ordres. Elle a la tête d'une entreprise. C'est une chef d'entreprise. Et cette femme-là, elle a une secrétaire. Même deux secrétaires. Sa secrétaire a une assistante. Ça veut dire que vraiment tout est bien hiérarchisé ou encore bien organisé dans cette entreprise ou encore dans sa vie. Mais le problème qu'elle a, c'est qu'elle met au devant le travail. Le travail après le travail, c'est le travail. Au point où elle oublie certaines choses qu'elle doit quand même faire, certaines choses qu'elle est censée mettre en avant également, y compris son foyer. Et cette femme, tellement elle privilégie son travail, elle va se mettre à faire prendre certaines décisions parfois qui sont très dures. C'est une femme franchement sévère. Quand vous confiez un boulot et que vous n'arrivez pas à faire votre boulot, soyez-en sûr, vous serez renvoyé. Et voici comment cette femme-là se comporte avec ses collaborateurs. Ça fait que tous ses employés, tous ceux avec qui elle travaille, la craignent, la redoutent, ils ont peur d'elle. Ils ont même peur d'être renvoyés. Et cette femme-là, elle est mariée. Elle est mariée, en même temps, elle a un enfant. C'est une fille qu'elle a à la maison. Mais comme elle est plutôt concentrée dans son boulot, c'est son mari qui est censé être l'homme de la maison, qui est devenu maintenant la femme. C'est lui qui s'occupait de son enfant, qui allait chercher l'enfant à l'école. Pendant ce temps, lui, il avait son boulot. Lui, il travaillait dans le cinéma. Il recrutait des personnes, il faisait des films. Et c'est ce qu'il faisait. Au départ, il ne se plaignait pas. Pourquoi? Parce que lui, il cherchait du travail. Et c'est quand il cherchait du travail, il allait dans cette entreprise et il a rencontré cette femme-là. Plus tard, les choses se sont bien déroulées, mais il ne pouvait pas travailler dans son entreprise parce qu'il n'avait pas les compétences nécessaires. Compétences requises. Néanmoins, elle lui a donné, lui a connecté, l'a connecté à un homme du cinéma et c'est là-bas que cet homme a connu son succès. Et du coup, les deux se sont aimés. Voici comment les deux sont restés ensemble et ils ont eu un enfant. Ils se sont mariés, tout ça. Mais c'est lui qui était à la maison. Et qui s'occupait de tout, de l'enfant, un seul enfant, un seul. Pendant ce temps-là, elle effectuait des voyages d'affaires, elle avait
des rendez-vous avec les directeurs d'entreprise, même avec les personnes, les ministres de son pays, les personnes bien placées. Elle roulait entre les deux avions. Elle n'avait plus de temps, même pas de temps à confier ou encore à réserver à son mari. Et franchement, cette femme-là, c'est une femme très occupée. Et quand elle se déplace comme ça, là, c'est un cortège qui l'accompagne. Imaginez maintenant, une telle femme avec un tel niveau de vie, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Quelle est sa pensée? Qu'est-ce qu'elle a dans son esprit? Elle n'est pas mauvaise, hein? Non, on ne dit pas ici qu'elle est méchante, elle n'est pas méchante. Mais c'est une femme de travail. Elle est travail et elle travaille. Le travail passe avant tout. Mais cette histoire, ce comportement a dépassé les bornes. C'est-à-dire, ça a atteint un niveau tel que elle-même là, elle ne s'accorde plus du temps. À plus forte raison, du temps pour sa fille ou encore du temps pour son mari. Même sa fille qui a l'école primaire, souvent elle posait la question à son père de savoir, mais dis-moi, quand papa est absent, maman est absente, c'est normal que je dise papa, puisque là elle est devenue comme un père. Mais elle dit, mais dis-moi papa, quand maman est absente comme ça très longtemps, comment te sens-tu? La fille qui est censée elle-même affirme même à qui on doit poser cette question, elle pose cette question à son père maintenant pour savoir comment son père se sent quand sa mère est absente. Parce que sa mère vraiment, ou encore la femme à ce dernier, elle voyageait beaucoup. Il a dit à sa fille, non, ne t'inquiète pas, ça va. Elle voyage, c'est pour la famille. Elle va travailler. C'est pour le bien de la famille, c'est pour emmener de l'argent à la famille, pour permettre que la famille soit au top. Ne t'inquiète pas, je gère, ça va. C'est ce qu'il disait toujours à sa femme, à son enfant. Mais il se lamentait. Il se lamentait. Il s'inquiétait souvent. Parce que, imaginez, vous êtes là, même si vous êtes une femme, vous êtes avec un mari qui est toujours occupé par son boulot, toujours occupé par son travail. Il n'a même pas le temps même. Quand il arrive chez vous, en même temps, on le rappelle au boulot. Et quand il repart, ce sont des voyages. Il va à l'autre bout du monde pour conclure des contrats, faire des affaires. Ça peut faire 3 mois. Il fait un jour à la maison ou 3 jours maximum. Tout le restant du temps, il est passé dehors. Mais vous êtes à la maison, vous avez de l'argent, vous avez de la richesse. Vous êtes heureux, mais vous n'avez pas votre mari. Vous ne pouvez même pas le sentir même, le toucher. Vous avez besoin de sa chaleur. Cet homme a besoin de la chaleur de sa femme. Malheureusement, elle n'est pas là. Et il est obligé de supporter ça. C'est sa croix. Quoi? Hey! Hey! Et il faisait tout à la maison. Il faisait tout. Il était devenu la femme. Et c'était comme ça toujours. Et cette femme-là, qui est chef d'entreprise, qui, quand on dit quelqu'un est chef d'entreprise, il est la personne là, en même temps, qui peut prendre des décisions, comme le renvoyer, renvoyer des gens. Elle a renvoyé des gens dans son histoire, dans son travail. Les gens étaient renvoyés dans son entreprise parce qu'ils n'ont pas fait tout simplement leur travail. Elle est stricte. Ils n'ont pas fait le travail, elle les a envoyés. Waouh. Et ces gens-là qu'elle a envoyés là, eux, ils étaient frustrés. Par exemple, il y a quelqu'un qui devait, dans un délai bien défini, faire son travail. Mais lui, il n'a pas réussi sa mission. Donc, elle a envoyé, elle a dit, bon, puisque tu n'as pas réussi ta mission, passe à la banque. Prends ton dernier salaire, tu es renvoyé. Comme ça, juste comme ça. Alors que cet homme, il a une famille. Mais il n'a pas fait son travail. Quand il s'agit de travailler, là, franchement, travaillez, mes frères et sœurs. Parce que si vous êtes face à une femme qui privilégie son travail, ça va être chaud, hein, si vous êtes paresseux.
Cet homme était vraiment paresseux, il ne faisait pas, il n'a pas atteint, il n'a pas fait son boulot, et le problème se retrouve maintenant sur lui. Il va maintenant se mettre à plaindre, à se plaindre, même à accuser la femme, elle est comme ceci, elle est comme cela. Quelques temps plus tard, ce dernier va faire quoi? Il va préparer un coup contre cette femme-là. Mais nous allons en venir. Vous savez que malgré tout ce qu'elle fait, elle doit quand même venir à la maison. Elle doit revenir chez elle. Voici comment elle est revenue un jour à la maison et elle a trouvé son mari. Maintenant que tu es venu à la maison, tu as trouvé ton mari là. Profite du bon temps avec lui. C'est à ce moment-là que je vais lui poser la question de savoir, mais dis-moi chérie, est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu crois? Elle demande à son mari si son mari le trompe. Il dit, mais pourquoi me poses-tu cette question? Elle dit, mais comme tu es dans le domaine de la cinématographie, avec les belles filles qui passent chaque jour devant toi, est-ce que tu n'es pas séduit? Dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que tu me trompes? Franchement, ce dernier-là, cet homme, c'est un vrai gars. Ce n'est pas un gars comme les autres. Il ne trompe pas sa femme. Il n'a même pas l'intention de la tromper. Il aime beaucoup son enfant. Il aime beaucoup sa famille. C'est pas qu'elle a l'argent, qu'elle a aidé à avoir son boulot. Non. Il l'aime. Il l'aime sérieusement. Franchement. Mais elle, elle va commencer à douter de lui à un moment donné. Parce que cet homme va commencer à avoir du succès dans le ciné, dans la cinéma, dans l'industrie du cinéma. Et elle va se dire que pourquoi pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a tout simplement séduit pendant que elle, elle était absente. Si tu es absente toujours là, faut pas être étonné, faut pas t'inquiéter hein, que ton mari te trompe un jour. Hein, parce que c'est toi-même qui es jugé. Bon, et vous, les mariés, ne trompez pas vos femmes. C'est interdit. Parce que ça, c'est un grand péché. Évitez ça. C'est même pas une raison. Bon. Et quand il lui a posé cette question, il a fini par lui dire que non, il n'a pas de problème. Tout va bien. Pourquoi cette femme-là posait cette question? C'est parce qu'elle a soupçonné quelque chose. En fait, son mari a rencontré l'une de ses camarades. Et cette camarade, cette dernière-là, c'était genre une copine dans le passé. Mais ça a fini il y a très longtemps. Et cette dernière qu'il a rencontrée là, elle, elle a postulé pour avoir un poste dans l'industrie du cinéma, dans son secteur. Donc, il a juste donné un pouce, quoi. Et il aidait. Et un jour, elle devait aller chez elle, mais elle voulait d'abord rester à l'hôtel pour passer un temps. Et c'est lui-même qui a choisi l'hôtel, qui l'a aidé à payer les frais, toutes ces histoires. Et elle était dans la chambre. Mais ce qui est marrant, ce qui est bizarre, c'est que cette femme-là, très belle, elle l'envisageait passer la nuit avec cet homme-là. Moi, je viens t'aider. Mais il me dit que on se connaît, on s'est connus, ou bien nous sommes amis. Je peux t'aider à t'en sortir. Alors que toi, ton intention là, c'est de m'enfoncer. Quand les deux sont arrivés à la chambre d'hôtel, il a posé la question de savoir est-ce que la chambre te plaît? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est normal? Est-ce que tu te sens à l'aise? Si tu te sens pas à l'aise, on peut changer de chambre s'il te plaît. Elle dit non, ça va. Je me sens à l'aise, tout, tout, tout. Mais dis-moi, comment tu me trouves? Est-ce que tu penses que je suis bien pour le cinéma? C'est là, cet homme va commencer à lui dire oui, effectivement. Tu es une bonne fille pour le cinéma, il n'y a pas de souci, tu as tous les atouts qu'il faut pour le cinéma. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Par exemple, tes beaux yeux, ta forme, ta patine, en tout cas, mets à l'avant la beauté de tes yeux, ta forme, tout ça. Mais, hey, pendant qu'il était en train de parler de ta forme, apprécier ces choses-là, voici maintenant sur l'œil de celui-là. Et elle a positionné sa main sur lui. Elle veut se préparer à l'embrasser. What the shit? De quoi tu parles? Mes frères et sœurs, il aime énormément sa femme. Même si sa femme est chef d'entreprise et qu'elle n'a pas de temps, lui, franchement, il aime sa femme.
Il ne peut même pas la tromper. Quand elle l'a touché comme ça, il lui a dit non, s'il te plaît. Moi, j'aime ma femme. Je ne veux même pas la tromper du tout. Donc arrête ça. Ce que nous faisons, ce n'est pas dans le cadre de notre, c'est-à-dire dans le cadre professionnel. C'est le travail qui nous a amené ici. Donc on suppose que on fait notre travail et que notre travail. Voici comment ce dernier est sorti de cette chambre. Cette fille-là même, elle était fâchée parce qu'elle elle a échoué à sa mission. En fait, toi, tu viens pour chercher un boulot, tu viens pour chercher un travail. On se dit que tu as trouvé quelqu'un qui va t'aider. On te dit qu'il va te donner des conseils, il peut te pousser un peu dans le travail. Or, ce que tu as dans la tête, c'est de coucher avec lui et de voler le mari de quelqu'un. Comment quelqu'un peut avoir de telles pensées? Comment quelqu'un peut avoir de telles pensées? Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous mariez quelqu'un, une personne qui est riche, qui a de l'argent, qui a les moyens, qui a même plus que les moyens, hey, tenez-vous bien. Partout où vous allez, vous êtes surveillé. Et son mari était observé par les murs. Et un jour, ou même avant qu'il n'arrive à la maison, le mur envoyait un message à sa femme pendant qu'elle se trouvait à la maison pour lui dire que ton mari là vient de sortir, vient d'amener une femme à l'hôtel. Quelque temps plus tard, il est sorti. Ce qui s'est passé dans la chambre d'hôtel, personne ne sait. Mais tout ce que nous on sait, c'est que ce dernier est entré dans une chambre d'hôtel avec une femme, qu'elle soit sa collaboratrice ou pas. Eux s'en foutent. La femme là, elle s'en fout. Quand son mari est arrivé à la maison, imaginez la suite. Une femme chef d'entreprise qui a renvoyé beaucoup de personnes, qui est très stricte. Quand elle doit associer ou encore réunir sa colère à sa performance ou encore ses compétences en matière de renvoi. Imaginez la suite. Que va-t-il se passer avec son mari? Ça va être chaud. Tu seras viré. Non. Quand ce dernier va venir, il va trouver sa femme assise carrément sur le lit. En tout cas, quand il va la regarder, il va sentir que quelque chose ne va pas. Il va s'approcher d'elle et il va lui poser la question de sa mère. Chérie, dis-moi, que se passe-t-il avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle ne va pas lui répondre. Il va dire, bon, peut-être tu es un peu fâché, mais. Ou il va essayer de lui donner une bise. Elle va retirer sa joue. Carrément! Toi, tu sors, tu voyages jusqu'à. Tu viens là, tu es fâché en même temps. Ok. Bon, peut-être que tu es un peu énervé. Peut-être que quelqu'un t'a énervé au travail. C'est ce qu'il s'est dit, hein? Donc, il s'est rendormi. Quand il allait prendre une douche, il s'est changé, il est revenu pour dormir. Au moment où il se préparait à se coucher là, elle a fait sortir son portable. Elle a dit, pourquoi, où étais-tu? Pourquoi es-tu allé dans cette chambre d'hôtel avec cette femme? Pourquoi m'as-tu trompé? Il dit, chérie, s'il te plaît, ne prends pas ça mal. C'était quelqu'un qui avait besoin d'une chambre d'hôtel, je l'ai conduit, c'est tout, rien ne s'est passé. Tu fais-moi confiance. Elle dit, tu veux dire quoi? Je t'ai posé la question de savoir est-ce que tu sortais avec les filles de ton boulot et voici que je me rends compte que tu sors avec une fille dans une chambre d'hôtel. Moi, des chocs, mes frères et sœurs. La chambre, là, ce jour-là, la chambre a remué comme ça. Ça a remué comme ça. Parce que cette femme soupçonne son mari de l'avoir de sortir avec une femme et même de l'avoir trompée avec une de ses collaboratrices. Dans ce genre de situation-là, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire, ah, j'ai confiance à mon mari. Il vient de sortir d'une chambre d'hôtel. Et il y a une femme là-bas, une femme très belle. Il a même mis plus de 30 minutes dans sa chambre avant de sortir. Quelles sont les preuves qui vont montrer que ce dernier n'a pas tort? Ils se sont tellement querellés que finalement, elle lui a demandé de partir, de quitter la maison. Et vous voyez, le problème là est venu, un problème est venu dans la maison et les deux sont séparés. Pendant que les deux sont séparés là,
Le diable va profiter de cette belle opportunité où il y a la division pour faire quoi? S'installer ou encore créer des problèmes, mettre des problèmes encore, enfoncer la famille. Qu'est-ce qui va se passer? Dans la même période, sa femme ou encore son mari, si vous voulez, cette famille, ils se sont fait kidnapper leur enfant. C'est-à-dire la femme là, qu'un de ses employés elle a renvoyé, a tout simplement kidnappé leur enfant. Et il demande une rançon de 200, de 2 millions de dollars. Il veut 2 millions de dollars pour libérer leur enfant. Il sait que c'est une grande dame. Il sait que cette femme, elle a de l'argent. Il sait que elle a la richesse, elle a le pouvoir, elle a tout ce qu'il faut. Donc, il demande 2 millions de dollars parce que cette femme, pour lui, l'a exploité. Et c'est une belle opportunité pour lui de se faire de l'argent. Ils étaient trois dans le groupe. Après, ils sont devenus quatre. Et ils ont bien organisé cela. Ils se sont loués une voiture, la même voiture que cette femme envoie à l'école pour chercher l'enfant, de sorte que l'enfant soit à l'aise. Ne pense pas que ce sont des personnes qui sont venues tout simplement la prendre comme ça, puisque c'est la même voiture avec laquelle on la prend ou on la transporte à la maison ou on vient la chercher à l'école tout le temps. Quand elle a été kidnappée, en tout cas, cette femme n'avait plus la paix. Cette femme-là, franchement, c'était chaud. Et elle annonçait la nouvelle à tous ses employés. Et ils cherchaient à savoir, mais quel est le problème? Les enquêteurs sont venus, les policiers étaient là. Ils ont tout mis en œuvre pour que lorsque ce dernier va rappeler, on puisse tout simplement le suivre par son appel, c'est-à-dire le détecter là où se positionne, suivre cet appel, traquer cet homme. Ah. La personne, la femme qui était disponible, ou encore la maîtresse qui était à l'école en ce moment où cet enfant était pris, est venue de cette entreprise et elle a fait la description de ce qu'elle a vu. Finalement, ils ont conclu que c'est l'un des anciens employés de cette femme qui l'a fait. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer que ce dernier pouvait faire ça. Mais il l'a fait pour se venger parce qu'on l'a envoyé. Quelques temps plus tard, tous les employés de cette entreprise, ils se sont réunis et ils se sont tous mis à prier. Mes frères et sœurs, imaginez, dans un bureau, les secrétaires, les chefs de service, ils se réunissent et ils se mettent à prier, implorer la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens ramener la paix dans cette famille. Retrouve cet enfant. Et mes frères et sœurs, ces employés qu'elles vont voir souvent, à qui mais elles n'accordent pas certaines. On ne peut pas dire, c'est-à-dire avec qui les rapports sont typiquement le travail là. Ou encore ces employés qu'elles mettent toujours sous pression là. Voici que ces gens-là, ces employés-là, vont prendre son problème à cœur comme ça et même l'apporter en prière. Ça faisait du bruit. Toi, elle s'est déplacée pour venir voir ce qui ne va pas et elle a trouvé que ses employés se sont tous mis à prier à sa faveur, à la faveur de sa famille. Ça l'a tellement touchée qu'elle n'a même pas dit un mot. Elle est retournée dans la douche face au miroir en train de couler les larmes. C'est en ce moment-là qu'elle a compris qui sont ses amis, qui sont ceux avec qui elle travaille. Hey, c'est dans la difficulté, mes frères et sœurs, qu'on découvre qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. C'est pas de la blague, c'est une histoire réelle. Quelques temps plus tard, le bandit, ou encore le kidnappeur, a rappelé, mais cette fois, il se trouvait à la maison. Et son mari, avec qui il s'était séparé là, ce dernier a reçu un appel de sa fille qui avait pris un portable dans le secret, là où elle était, pour appeler son père. Et voici comment ce dernier s'est retrouvé encore à la maison, face à sa femme,
pour essayer de se réconcilier, s'unir, unir leurs forces afin de pouvoir renverser cette situation. Il n'y a que ça qui peut renverser de telles situations, par exemple. Si vous êtes séparés à cause de cette situation, à cause de ce problème, mettez-vous ensemble et réglez cela. Rien que pour ça. Et on fera le reste après. Les deux n'étaient pas unis, mais ils devaient être là dans la maison pour recevoir les appels, toutes ces histoires. Et voici que ce dernier va demander 300 000 dollars maintenant. Parce qu'ils ont trouvé que c'est ce qu'ils peuvent lui donner. Et lors de la première opération, c'est le mari qui s'est rendu sur le terrain avec cette somme. Et il était suivi par des policiers. Quand il est arrivé sur le terrain, bizarrement, ceux qui ont kidnappé son enfant, ils n'étaient pas bien préparés dans cette opération. Ils se sont fait abattre par deux de ces policiers-là. Parce que eux, ils privilégiaient l'argent, ils voulaient juste prendre l'argent et s'enfuir. Quelques temps plus tard, ce dernier est revenu à la maison avec cette mauvaise nouvelle et franchement, c'était chaud parce que pour lui, sa fille va mourir. Ah, quelques temps plus tard, le bandit a rappelé et il a dit qu'il vient de tirer sur sa fille. Et si elle insiste, elle reprend encore la même action. Cette fois, c'est fini pour elle. En fait, il n'avait pas tiré sur elle. C'était juste pour lui faire peur. Parce que lui, il était en colère parce que dans cette histoire, il a perdu l'un de ses hommes. Il a failli en perdre deux. Donc, voilà. Donc, un peu plus tard, quelques temps plus tard, la femme, quand il a appelé, la femme lui a dit que elle-même, elle va se rendre sur le terrain. Il dit, toi la femme de puissance, tu veux te rendre sur le terrain. La femme puissante, ok, il y avait ceci, on t'attend. On a changé de stratégie, tu te rendras désormais dans tel lieu. Voici comment cette femme-là s'est rendue avec cette somme d'argent dans ce lieu. Mais il y avait tout simplement un détecteur, c'est-à-dire genre une puce GPS dans cette manette et les billets de banque qu'ils ont utilisés pour leurs données pour cette rançon étaient immatriculées de sorte que quand ces bandits avaient utilisé ces billets, on put tout simplement les rattraper, les repérer. Et cette femme était suivie à distance. Le GPS observait la position de cette femme. Et Dieu merci, la transaction s'est effectuée normalement. Et elle est retournée chez elle. Pendant qu'elle retournait chez elle, là, dans le groupe des bandits, là, quelque chose de bizarre va s'opérer. Vous savez que quand on prie pour une situation, Dieu y met la confusion dans le camp de nos ennemis. Voici que dans le camp de nos ennemis, là, ou encore dans le camp des bandits, là, vous savez ce qui va se passer là-bas? Ok, nous allons vous dire. L'argent arrive. Eux, ils sont maîtressés trois. Il y a un qui est déjà sur le terrain pour préparer le terrain. Et il y a deux qui sont déjà allés sur un autre terrain pour faire quoi? Recevoir l'argent. Est-ce que vous voyez? Pendant qu'ils sont sur le terrain pour recevoir l'argent, là, celui qui est à la maison là-bas, là, il a déjà apprêté une bouteille de champagne. Il dit qu'ils vont fêter à l'arrivée. Mais ce qu'il a mis dans la bouteille de champagne, là, c'est Dieu seul qui connaît. Il a empoisonné la bouteille de champagne. De sorte que quand les deux vont venir, ils vont boire la bouteille de champagne et ils vont mourir. Et sur le chemin là, il y a l'un d'entre eux qui s'est arrêté pour acheter de la nourriture chez une femme et pour qu'il puisse manger. Et la nourriture qu'il a achetée, c'était lui aussi là. Il a acheté une nourriture qu'il a empoisonnée pour que quand les deux autres vont manger de cette nourriture, il puisse tout simplement mourir et il va être le seul à bénéficier de toutes ces sommes d'argent. Imaginez la suite. Ils sont en train de se faire le coup bas. Et ils sont arrivés maintenant à la maison en train de danser. Oh, on a eu de l'argent, on a eu de l'argent. On a gagné. C'est une fausse somme d'argent quand même. Et ils étaient là. Tellement il était content. Lui qui a empoisonné la nourriture là. Il a pris la boisson comme ça. Il a levé la boisson, fait-on un champagne. Il a été le premier à boire cette boisson-là. Mais celui qui a posé cette boisson, il est
Il regarde et puis dit, bravo, le cipoie, la cuillère, il mange quelque chose et puis dit, ta nourriture, c'est doux quand même. Hein? Parce qu'il était de voir son ami mourir, parce qu'il était de voir que les deux vont mourir et lui va prendre l'argent là tout seul. Là. Voici comment il est content. Et voici que les trois maintenant sont en train de comploter l'un contre l'autre. Le troisième qui était de l'autre côté, lui aussi dit que lui, lui-même là, il est tellement bête. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet argent-là? Comment un homme bête comme ça peut faire quelque chose avec cet argent? Et puis il est paresseux, c'est pourquoi il l'a renvoyé de son entreprise. Mais vous voyez, ça veut dire quoi? Le diable a commencé à travailler dans l'esprit de chacun d'eux. Et le diable a mis la division, la confusion chez eux et ils se sont entrés tués. La police qui suivait ce GPS, qui cherchait à les attraper, les a retrouvés où? Dans un endroit. Ils étaient tous les trois morts. Et l'argent même pour lequel ils étaient en train de se battre là-même. Et restez là. Vous êtes morts. À quoi va vous servir maintenant l'argent? À rien! Ils sont morts. Maintenant, la femme, chef d'entreprise, là, elle, on lui a annoncé cette nouvelle. Elle dit, tu ne t'es pas moi, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon enfant. Hi! Là, elle a compris la leçon. Elle a compris que c'est pas le travail, 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 l'argent seulement qu'il faut privilégier. Il faut aussi mettre, privilégier ses rapports avec les autres. Ou encore, passer du bon temps avec sa famille. Ce bon temps qu'elle ne passait pas avec sa famille, là, elle ne faisait non plus pas passer un bon temps à sa secrétaire. C'est-à-dire, elle ne laissait pas sa secrétaire même dormir. Souvent, sa secrétaire est au lit en train de faire les choses avec son mari. Et c'est en ce moment-là qu'elle elle appelle sa secrétaire. Sa secrétaire est obligée de laisser son mari dans les soucis et de décrocher le téléphone par peur d'être renvoyée. C'était comme ça, au point où même le fiancé, même, ou le mari à sa secrétaire, il se plaignait. Il voulait même descendre, appeler même la femme là-même pour tout gâter là-bas, même, tout mélanger là-bas, tout mélanger. Mes frères et sœurs, quand cette femme a subi cette situation, franchement, son comportement a changé. Du coup, elle a commencé à s'intéresser à sa famille, à accorder de l'intérêt à sa famille. Et du coup, elle a essayé de ranger un peu, de faire remue ménage dans sa vie et améliorer ses relations avec les autres, avec les gens, avec ceux avec qui elle travaille, ses rapports, tout ça. Le travail, 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 franchement, elle essaie de faire tout ce qu'elle a possible pour corriger cela. Au point où son mari était devenu, avait commencé à être content d'elle maintenant parce qu'elle s'habillait encore plus jolie pour essayer d'attirer son attention et essayer de lui donner le meilleur d'elle pour son mari, pour sa famille. Et ce qui est vraiment étonnant et épatant, ce jour-là, quand elle est arrivée dans son entreprise, l'un des chefs de service qui était même à la tête même de cette prière dans ce bureau, dans son bureau là, il sortait de son bureau et la patronne venait. Ah, il faut le voir. Il dit, bonjour patronne. Alors qu'il était abaissé comme ça en symbole d'humilité, elle lui a touché sur la colle comme ça, bien rangé la colle et puis a dit, bonjour, passe une très bonne journée. Et elle est entrée dans son bureau. Il a ouvert les yeux comme il dit, il était étonné. La femme là, elle ne fait pas ça, elle n'a jamais fait ça. Et lui, il aime la femme, il aime son travail en même temps. Il sait que la femme aime son boulot, c'est tout. Il ne la déteste même pas. Mais elle est un peu sévère. Donc ils ont peur d'elle. Ce qu'elle vient de faire là, ça fait tomber un poids comme ça, un gros fardeau sur lui. Ah, il était très content. Et c'est de tels rapports. Ou encore ce qu'elle vient de faire. Ça va améliorer forcément la performance de ce dernier dans le boulot. Absolument. Absolument. De toute façon, elle a déjà vu que ce sont de bonnes personnes. Ils ont même prié, prié pour qu'elle retrouve sa situation, se régularise, son problème disparaisse. C'est une bonne personne. C'est un bon employé. Ce n'est même pas un simple employé. On peut dire que c'est quelqu'un de bien. Y compris tous ceux même qui étaient là en train de prier, y compris les secrétaires. Quelques temps plus tard,
deux de ses secrétaires, c'est-à-dire sa secrétaire et l'assistant à sa secrétaire, va maintenant venir où? Dans son bureau. Elle va regarder les deux filles et c'est là qu'elle va se rendre compte que ces deux filles-là, franchement, elles s'habillent bien. C'est maintenant ses yeux vont s'ouvrir. Elle va commencer à voir ou encore voir la valeur de ceux avec qui elle travaille. Ces gens travaillent bien. Tu accordes la valeur à ce qu'ils font par rapport à leur travail, tu leur donnes même des primes. Mais il y a d'autres valeurs que tu as négligées. La manière de s'habiller, comment ils se présentent, comment ils te respectent, toutes ces choses. Elle a vu ces deux filles et elle a regardé pour dire, ah, mais bonjour les filles. Franchement, aujourd'hui, vous êtes très bien habillées. Et imaginez la suite. Les deux filles qui ont peur d'elle, là, elles-mêmes étaient étonnées. Elles se sont regardées comme ça. Ah, merci madame, merci madame, merci madame. Mais pouvez-vous me dire où vous achetez vos vêtements? Dans quel magasin? Oh oui. Ah, la patronne, elle est en train de réagir comme ça. Imaginez la suite. Franchement, les deux filles s'étaient dépassées. Et elle-même, elle a apprécié le fait qu'elle a pu échanger quelques mots en dehors du travail avec ses collaborateurs, juste pour les accorder de la petite valeur. Cette petite valeur, même si elle est simple, permet de booster les performances des travailleurs, de vos collaborateurs, de ceux avec qui vous collaborez, ceux avec qui vous travaillez. Et si vous vous comportez ainsi au travail, c'est sûr que à la maison, ça ira bien. On ne vous dit pas d'exagérer, parce qu'on sait que l'homme, il est ce qu'il est, l'homme est ce qu'il est. Quand on exagère dans les rapports, dans de tels rapports avec lui, il dépasse les bornes. Voilà, c'est quoi maintenant ton permis. Mais il y a certaines choses plus simples que vous pouvez les accorder, tranquille, tranquille. Même si c'est une fois par an, même si c'est une fois par mois, ça peut leur faire du bien. Ça peut leur faire se sentir chez eux, se sentir à l'aise. Ça dit se sentir même considéré. Même au moment que je vous parle, j'ai suivi une formation en DRH. Voilà. Directeur des ressources humaines, voilà, développement des ressources humaines. J'ai suivi une formation en DRH, donc je sais réellement ce qui se passe en matière de relations, en matière de relations avec le personnel. Comment l'homme peut se sentir quand il est bien apprécié, c'est-à-dire on lui apporte une certaine valeur, une certaine considération en entreprise. Comment ça peut booster ses performances? C'est normal, c'est normal. C'est comme vous avez un Virgile à la maison et vous le maltraitez. Toujours vous le maltraitez. Quand vous le maltraitez, parce que vous le frappez. Hein. Mais toujours quand vous arrivez là, tu fais comment? Mange, 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 mange. Toujours chaud, 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 chaud là. Ça peut le stresser. Imaginez un homme qui travaille chez vous tout le temps et quand vous allez arriver du boulot, vous allez le stresser comme ça. Oh le malamande! C'est-à-dire que vous êtes tellement autoritaire que votre autorité là s'étend même sur tout le monde. Le vigile, la commerçante, au quartier, partout. Vous n'avez pas. Vous ne. Et apprenez à parler un peu avec douceur, avec humilité quand même, parce que c'est important. Finalement, elle a changé de comportement parce qu'un problème est venu et elle a compris, elle a tiré des leçons. Et ces leçons-là lui ont permis de changer son comportement, ses rapports avec autrui, même avec son mari et son foyer qui était déséquilibré ou encore qui n'était plus stable, s'est stabilisé du coup. Et son mari a commencé à apprécier sa femme. Un jour, elle partait au travail et il a regardé comme ça. Il a dit, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux tourner un peu pour que je puisse te voir à 100 millions de 80 000 degrés, parce qu'il veut vraiment voir sa femme qui est toujours en voyage, alors qu'elle est belle. Il aime sa femme, il veut sentir sa femme toujours, voir sa femme. Il a besoin de voir sa femme, après tout, c'est sa femme. Mais là, waouh, il était content de voir sa femme et il dit, waouh, oui, ça, c'est la femme que j'ai épousée qui est là. Et en effet, elle est en joie et elle est partie au travail dans cette joie-là encore. Franchement, c'était extraordinaire! Que pensez-vous de cette histoire? C'est une histoire réelle. Peut-être même vous vivez cette situation.
On ne raconte pas des histoires ici. Si ça n'existait pas, on n'allait pas vous raconter ici. Comme c'est une histoire réelle aussi, vous pensez que c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, vraiment, si vous êtes touchés, laissez un j'aime avant de partir. Abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Franchement, l'histoire de cette famille m'a plu. Parce que moi, franchement, j'aime beaucoup les femmes qui travaillent, qui aiment leur travail, qui mettent en avant leur boulot. Parce que moi-même, là, j'ai un peu le comportement de cette femme-là. Mais quand il s'agit des relations avec les autres, franchement, il faut faire ce qu'il faut pour t'entendre avec les autres. Et quand il s'agit de ton mari, il faut vraiment lui accorder du temps, de la valeur, de l'intérêt. Même si c'est toi-même qui as fait en sorte que ton mari trouve du travail, quand même. Même si tu as beaucoup d'argent, que ton mari, il faut le respecter. C'est l'amour. Et l'homme là, la preuve en est qu'il aime sa femme, pas à cause de son argent. Mais comment il va démontrer à sa femme qu'il aime? Comment va-t-il démontrer à sa femme qu'il aime? Mais regardez ses actions, ses mouvements. Il aime sa femme de tout son cœur. Ce jour-là, à l'hôtel, il ne l'a pas trompé. Mais comme il n'y a pas de caméra de surveillance aussi, c'est ça. Il n'y a pas de preuve pour révéler cela. Mais c'est en ce moment-là que va venir quoi? La confiance. L'homme qui est là, on n'a pas confiance en l'homme. Mais quand on a décidé d'être marié à quelqu'un, c'est qu'on a suffisamment étudié la personne, on sait où la personne peut aller avant de se marier. Ou bien, ça veut dire qu'avant d'avoir même des rapports sexuels, même les rapports, ça veut dire qu'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on ne connaît pas là, c'est impossible, ne le faites même pas. Parce que ça prend du temps avant de connaître personne. Ça prend beaucoup de temps. Avant de connaître quelqu'un là, ça prend beaucoup de temps. En plus, nul n'est pas fait. Le diable est là, il influence tout le monde. Comment vas-tu connaître ton homme? Ah! Et il faut avoir confiance. Quand on connaît maintenant la capacité de son homme, il faut avoir une certaine dose de confiance. Il peut même te tromper, il peut même pécher. Mais si tu vois que cet homme manifeste l'intérêt ou encore il s'y répand, toi vraiment, faut faire tout ce qui est possible. Le pardonner, même l'aider à sortir de son problème, ou encore le guérir de cette nouvelle maladie. Parce que quand on trompe sa femme une fois, on est susceptible de la tromper deux fois. C'est devenu quoi? Une maladie. Mais ici, Dieu merci, ce dernier ne l'a pas trompé. Mes frères et sœurs, si vous aimez vraiment vos femmes et que vous aimez sérieusement vos femmes, quel que soit ce qui arrive, même si vous êtes face à une femme dans la chambre, l'opportunité est présentée, même si elle est la plus belle que votre femme 10 milliards de fois, ne la trompez jamais. Listen! Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? C'est une question d'honneur. Voilà. D'honneur! Tu vas voir homme ou pas. Ici, là, on parle aux vrais hommes. Hein. On ne parle pas aux hommes qui sont un peu dedans, un peu dehors. On parle aux vrais gars. C'est toi aussi, ma soeur. Ne trompe jamais ton mari. Voilà. Vrai homme, vraie femme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, laissez beaucoup de j'aime comme ça. C'est gratuit. Abonnez-vous à cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et regardez-lui des futures vidéos qui vont tout simplement s'afficher sur l'écran. Franchement, ça va certainement vous plaire. Et nous, nous nous préparons maintenant pour entrer dans une autre dimension avec un témoignage puissant où une autre personne va elle-même venir nous raconter des choses mystérieuses. Vous savez ce qui s'est passé dans ce moment déjà. On ne peut pas vous raconter tout ça en détail, mais il faut que vous racontiez cette histoire afin que vous puissiez vraiment améliorer vos rapports avec les autres, quoi, ou encore avec votre famille, et donner une certaine considération à votre femme, ou encore à votre mari. Ça va être chaud. Ok, souhaitez-moi tout le bonheur du monde, parce que moi aussi je cherche une femme, je vais trouver une femme bientôt, et j'espère tomber sur la bonne femme, parce que trouver une femme, franchement, c'est difficile, surtout quand tu dois la connaître, tout ça. Demandons à Dieu de nous aider, parce que dans une situation où on doit avoir l'esprit d'intelligence, seul Dieu peut nous aider à trouver la bonne femme parmi tant d'autres. 1 milliard de femmes! 7 milliards de femmes à choisir. Parmi 7 milliards de femmes à choisir, tu dois choisir seulement une seule femme. C'est chaud, hein? Mais avec Dieu, tout est possible. Recommande ton sort à l'Éternel et
Il te donnera ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? J'aimerais que Dieu me donne ce que mon cœur désire et qu'il vous donne ce que votre cœur désire si vous cherchez la femme de votre vie ou encore l'homme de votre vie. Prenez soin de vous. N'en soyez pas.